Martin avait 36 ans quand il s'est enlevé la vie. C'était en 2015 à l'établissement de détention de Québec, dans sa cellule. Il purgeait une courte peine, 45 jours, pour un bris de condition. Il ne s'est pas rendu au bout. Une triste fin encore difficile à accepter pour sa mère. Martin, c'était pas un bandit, c'était pas un tueur, c'était un petit gars qui avait aucune malice, aucune violence. Moi, mon fils, peut-être qu'il sera encore là aujourd'hui. Là. Suzy Asselin ne le cache pas. Son fils unique a eu une vie difficile. À son arrivée en prison, Martin avait atteint le fond du baril, rongé par la drogue. Il avait 4 ans quand il a perdu son père, qui est décédé de la même façon que lui. Ça a été un suicide aussi. Il y a eu des épisodes de sa vie. Il a déjà été abusé sexuellement aussi. Fait qu'à partir de là, je vous dirais que c'est là que les problèmes ont commencé. Mais le rapport de coroner concernant son suicide révèle plusieurs éléments préoccupants. Les services correctionnels ne pouvaient pas ignorer que Martin était au bord du précipice, d'après sa mère. Mais je peux vous dire qu'il y a un gros manque. Je ne sais pas s'ils les prennent pour des numéros. Radio-Canada a analysé les rapports de coroner pour tous les suicides survenus en prison au Québec entre 2010 et 2019. On en dénombre 69. C'est plus qu'en Ontario, où la population carcérale est 50 % plus élevée. Premier constat, au Québec, 75 % des suicides ont eu lieu dans des établissements provinciaux, où les peines sont de moins de 2 ans. Ceux qui passent à l'acte ne sont donc pas forcément les criminels les plus endurcis, même que souvent, ils n'ont pas encore subi leur procès. La plupart ou beaucoup de ces gens-là, ils sont incarcérés pour la première fois. Et le choc de l'incarcération bien, se produit au moment de l'incarcération dans une prison provinciale. Ce choc est évident. Plus de 50 % des suicides recensés sont survenus moins de 2 mois après le début de l'incarcération. Depuis 2008, une évaluation du risque suicidaire est obligatoire dès qu'une personne arrive en prison. Martin, lui, ne l'a jamais eu parce qu'il était en sevrage. Le rapport du coroner souligne aussi que quelques jours avant sa mort, il avait demandé un rendez-vous médical qui a été jugé non urgent. Il était en état d'anxiété, au plafond, comme on dit, là. Il pleurait. Il avait du mal partout. Il me disait qu'il avait demandé de l'aide. Il avait demandé d'avoir de la méthadone pour le soulager, ce qui n'a pas été fait. Ils n'ont jamais voulu lui en donner. Même lorsqu'elle a lieu, l'évaluation du risque suicidaire n'est pas une panacée. Notre enquête révèle que plus de la moitié des détenus qui se sont enlevés la vie avaient bel et bien des facteurs de risque que le questionnaire n'a pas permis de relever. Un problème presque inévitable, selon la coroner Christina Petchko. Souvent, la personne va cacher son jeu, elle ne veut pas en parler. C'est pourquoi, en 2017, elle avait recommandé que les familles soient invitées à donner des informations aux services correctionnels concernant les antécédents de leurs proches incarcérés. Sa recommandation n'a jamais été appliquée par le ministère de la Sécurité publique, qui a décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, on nous répond que des interventions d'urgence ont lieu régulièrement à la suite d'un appel d'un membre de la famille. Évidemment, c'est pas toutes les familles qui savent qu'ils peuvent faire ça ou qui ont le temps ou qui connaissent comment procéder pour contacter le centre de détention. Au fil des ans, d'autres recommandations de coroner sont restées lettres mortes, comme faire une nouvelle évaluation du risque suicidaire après 21 jours de détention ou simplement s'assurer que cette évaluation soit faite avec un minimum de confidentialité. Dans la plupart des établissements de détention, un local fermé est aménagé, affirme le ministère de la Sécurité publique par courriel. Toutefois, dans certains cas, il peut arriver que la configuration des lieux ne permette pas l'usage d'un local fermé. Dans toutes les prisons fédérales, il y a des psychologues. Ce n'est pas le cas dans les établissements provinciaux, où la durée des peines est trop courte pour justifier de telles embauches, selon le ministère. Tout le monde n'est pas de cet avis. Effectivement, des services psychologiques pourraient aider. Jean-Claude Bernheim, qui étudie les suicides en prison depuis plus de 40 ans, admet néanmoins que ça ne réglerait pas tout. C'est de se poser la question pourquoi des gens passent à l'acte dans un milieu connu qui, on le sait, a des répercussions sur la santé mentale et psychologique des personnes. Et c'est là que l'on n'agit pas,
Parce que là encore, il faudrait changer les principes de base. Ce qui est clair, c'est que les personnes incarcérées sont souffrantes et les suicides, c'est vraiment la pointe de l'iceberg là, de cette souffrance-là. Pour chaque suicide, il y a 4 tentatives qui échouent dans les prisons québécoises. Même les rapports de coroner passent à côté d'une partie du problème, car ils s'attardent trop aux facteurs comme la toxicomanie ou les troubles de santé mentale, selon cette professeure. Donc, on est toujours dans une lecture individualisante de qu'est-ce qui a amené la personne à poser ce geste-là. Puis, il n'y a pas une analyse qui prend un pas de recul pour dire, mais pourquoi est-ce qu'une personne qui est enfermée dans nos prisons va mettre fin à ses jours? Signe qu'il faut agir, le bureau du coroner a déclenché récemment une enquête publique à ce sujet. 5 ans après la mort de son fils, Suzy Asselin garde espoir pour tous ceux qui suivront. Que ça change. Qu'en milieu incarcéral, quand il arrive une personne qui est comme Martin, là, bien, qui s'en occupe. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec.